Bon, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en bateau et on va pêcher du carnassier. On va essayer de faire du brochet, de la perche. On va essayer de peut-être, comme vous voyez la météo, il fait un petit peu plus nuageux. On est en plein été après la canicule et là du coup ça s'est bien refroidi. Ça fait des conditions qui sont un peu meilleures pour la pêche, parce que quand il faisait très chaud, l'eau était très claire, c'était très compliqué. Là j'espère qu'on va pouvoir avoir on a un temps à brocher, donc j'espère qu'on va pouvoir faire quelques brochets. Bon allez, c'est parti. Oui, je pense que tu fais ça. Hein? Sympa ça. Ouais. Là, comme ça, tu suis tout le ruisseau à l'article. Ouais. C'est quand les bancs ils descendent un peu, ils sont plus concentrés. Là. Poisson! Ouh. C'est pas vilain, ouais, puis j'ai. Ouais, c'est pas vilain du tout. Allez. Pour que la big bait elle soit bandée comme ça, bon, je pense que ça fait 70. Non, ça fait plus 80. Pas loin, 75 ça fait. On avait raison, le plateau ma gueule. C'était un temps à broc aujourd'hui. C'était un temps à broc. On va voir ça. Hop, le rocher. Je te fais une photo. Bon, c'est bon, on sortira un ski. Allez. Les allos. Nope. Il est parti. C'est bon ça? Une autre frappe. Elle est pointue quoi. Voilà, donc on s'est dit on va faire tout le plateau. En fait là tout ça c'est une zone, il y a le lit ruisseau au milieu et toute la zone elle est entre 0 au bord et juste avant le tombant on a 3-4 mètres. Donc ça veut dire qu'on se met au niveau du tombant avec le bateau. On lance là où il y a 2-3 mètres. Là je suis au big bait justement pour essayer de voir si je peux pas faire monter un brochet. L'eau est très claire donc je me suis mis plutôt en coloris naturel. Ça a payé. J'aurais peut-être pu essayer du coloris flash. Il y a vraiment une petite brume, un très léger vent. On a vraiment un temps à brocher, on est en plein été. Et c'est vrai que quand il a fait très chaud, on est juste après la canicule. Donc c'était vraiment le jour où il y avait moyen de faire du brochet avec ce temps un petit peu plus couvert. Donc là, lancer sur le plateau, ramener au bateau, linéaire. Et on déroule le plateau pour essayer de voir s'il n'y a pas un brochet un petit peu fou qui veut monter et taper. Et ça a payé. Oh, t'as vu là-bas? Tu veux une carpe? Ça fouille, hein. Ah oui, oh, loupé. Oh, poisson. Oh, loupé. Ouais. J'en ai une sur le teaser. Derrière, tu vois, tu vois les vies. Ouais. Je la sens tout derrière. Oh! Ah ouais! C'est une perche ou c'était un petit broc? Je la relâche? Oui, puis peut-être. Faut la relâcher. Faut un ancre. Ou un étal moteur comme ça avec le monde. Oui. Ça, c'est une carpe. Regarde. Tu vois une grosse masse au fond. Regardez les gens, ça c'est une carpe. Voilà. Allez, go. Il y a des bulles qui remontent juste dessous la sonde, là, j'ai vu. Il y a une grosse masse. Non, ce truc joli, ouais. Il était joli lui. Ouais, moi je l'ai vu complet arriver, se mettre devant le leurre. Je bougeais pas et il a juste pris la queue du leurre. Et du coup il ne s'est pas piqué, il n'y avait même pas le trip dans sa gueule, je le voyais. C'est pour ça que j'ai pas ferré comme un âne. Il a juste tiré la queue. Attends, on va dériver encore. Waouh, cette attaque, c'était juste énorme. Putain, je filmais pas, c'est dommage. Mais il faisait 80. Hein. J'ai vu la queue, il était... Ah non, il faisait 80 lui. Hein. Il trouve où je suis arrivé à ça de là, je sais pas. Oh là là, il y a du monde. Il y a du monde.
Là, ils sont dans 4 mètres, on les a. On a les bancs dans 4 mètres de profondeur, ouais. Entre 4 et 5 mètres, 5 mètres 5 max. Le bordure est parfait. Ça c'est pas des perches. Mais t'as, c'est peut-être des gros blancs aussi. Des gros rotangles. Les perches peut-être qu'ils sont plus rares mais... Possible, ouais. Oh, loupé, Tibroc. Ah, c'était un petit broc qui l'a tapé sur le Black Minnow. Il faisait quoi, 45-50? Loupé. Allez. Ah, c'était joli en plus, hein. C'était à quoi? Plomb palette. Et après, ah ouais. Poisson. Une petite touche à la con sur le fond. Zander. Ouais, une petite touche à la con sur le fond. Et un petit cendre. C'est... Hop là. Yes, un petit cendre, ça fait plaisir ici. Petite touche sur le fond à la con, juste sur la casse en bas. C'est cool. Pour le petit poisson. Allez, repart. Il n'y a pas de sang. Vieille touche à la con. Ça fait quelques sorties, on en a fait déjà plus deux. Tu vois, je l'ai fait sur le cassin un petit peu plus loin, un peu en décalé. Tout doucement posé au fond. Je sortais un petit tout, boum, j'ai ferré. Mais c'est vraiment. Genre comme un petit truc qui l'a à peine pris sur le fond. Je ne bouffe pas un repas. Je saute des repas. Yes. Easy quoi. Il met au coffre quoi. Moi. Coffre. Il saigne pas. Il m'a fait une boîte avant. Hein. T'as vu comment il l'a enquillé? Ah, okay. La pince, elle est où? La pince est mort. Oh, c'est bon. Allez, repart petit coquet. Coffre. Il est arrivé par derrière. Bam. Il a tout enfilé quoi, le pauvre petit. Sur le bateau, hein. Ouais. Il s'est fait plus mal qu'autre chose. C'est plus choquant que toi. Moi, tu vois, j'en ai plus loin, on pêche plus loin. Ça. Cette boîte, il m'avait poussé de l'heure, je redescends, paf. C'était bien ça, bien. Je broque ça, je pense. Ah oui. Oh putain, cette cartouche. Hein. Je retourne la canne bandée. Ça c'est une cartouche, ça c'était cendre. C'était cendre. C'est cendre. Mais non. Ah non, je broque. C'est un broc. Prends des chicots.
Allez, voilà. Oh, oh, c'était touche. Waouh. Ouais. Un arrêt. Ouais, t'as perdu les yeux. Non mais ah oui, j'ai perdu le deuxième œil maintenant. Ça y est. Waouh, cette cartouche. Ah mais c'était sûr avec les vifs qu'il y a là. On mitraille la zone. Ah, j'ai pris une frappasse. Jimmy, je suis sûr qu'on la voit à la GoPro, la frappe, tellement qu'elle était violente. Et sur la Big Bait.